Ça Pep, vous voyez, jeté déclaration ancien président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils qui a soi-disant mandé pour ta mettre dehors trois conseillers qui gagnent au cité dans un scandale corruption. D'après Alliance Pep, ancien président conseil là, on a parlé de Edgar Leblanc fils, tu fait partie mon cap soutenu trois conseillers yo, donc li pa moun qui pi bien placé pour exiger départ monsieur yo, même si c'est tout pays qui a demandé monsieur yo pour chou la koyo d'après Alliance Pep. Toutefois yo souhaité nouveau dirigeant conseil là prend toute disposition pour écarter trois conseillers sa yo et puis mettre yo disponible pour la justice. Yon nan responsable Alliance Pepio, Benel Didier, t'a parlé nan micro Gerline Moristin an koutil. Mèt ke me rappelé monsieur Edgar Leblanc fils, lui c'était seul grain conseiller au niveau CPTA nan 4 moun ki te rete ki patal braqué BNCO, ki t'a supporté 3 braqué BNCO. Ki t'a supporté yo, non seul objectif pour nèg yo te fait passation de présidence Payoa avèl. C'est pour ça qu'il t'a supporté. Avant même que Kony t'ait saisi ULCC sous question ça, tout l'autre conseiller t'a demandé pour te prendre une résolution pour te écarter trois braquets jusqu'à ce que la justice te fait travail. Mais c'est le grand Edgar qui t'est opposé avec ça. C'est Edgar qui t'a baillé négo trois braquets, tout support. Il n'a pas dit Edgar, l'adresse qu'il fait hier soir, il dit en pile belle parole, mais parole yo pas bienvenue. Parce que c'était l'été seul grand monde qui t'a supporté, monde qu'il dit aujourd'hui, hein, qui doit de yo. Même gens qu'il fait tout le temps, fait pays à perdre 5 mois, côté qu'il a supporté Gary Kony, PHTK, qui a supporté, et yon Gary Kony que la République finit par comprendre, que Bouloun Chanmas tap utile pays à plus que Gary Kony comme premier ministre, qui t'a dit qu'il pas ouvrir espace avec un ensemble d'entités politiques, mais vini, premier grand bagage qu'il fait son parti politique qu'il crée, qui c'est la Renaissance, qui est lui-même le président, Nesmi Maniga, c'est vice-président, qui c'est candidat à la présidentielle. Deuxième bagage, porte-parole Lidez Auguste, c'est ancien candidat uni, membre directoire parti politique uni. Et troisième bagage, en dans cabinet, reste Mounio, c'est PHTK. C'est soit dans la Renaissance, ou bien ou c'est membre uni, ou bien ou c'est membre PHTK. C'est ensemble de trois partis politiques qui composent des cabinets connus, ni au niveau intérieur, ni au niveau la primature. Eh bien, je dis, parole Edgar parlé pour que trois braquets soient dehors dans le conseil là. C'est parole pays a parlé. C'est parole tout le monde a parlé. Mais nous dit Edgar, dans le moment que pays a lui-même, il t'a tant pour te prendre décision, ça ne va pas te prendre. Je dis, Edgar, par monde qui mieux placé, qui pour dire que lui-même, il pas scié même côté avec trois braquets. Parce que c'est soutien Edgar Braquet ou te gen, même Jean Gary Kony gagne soutien Edgar pour faire tout désordre, tout gagote qui a fait dans le pays. Moi, je vous dis à clair, Jean tout pays a demandé, les gens nous-mêmes qui n'a demandé au niveau Alliance PEP, il faut que trois braquets ou même yo écarté des processus. Il conseille là, de transition, hein? Il faut que yo écarté yo, pour que moun sa yo mette yo à la disposition de la justice. Ça nous clair sous ça, que pays a pas d'accord, et aucun citoyen en d'un pays a pas d'accord, que yon est qui le vont bon matin, qui prend bazoukal, là le braque BNC, demain matin, par contre, qui banque encore dans la République là, qu'elle prend le braque, pas aucun citoyen qui prend d'accord, pour que moun sa yo, al mette signature yo, en bayon arrêté qui prend le nom mon citoyen, en bayon arrêté qui prend le fait, ça nous relie qui va le faire élection dans le pays, qui va le nommer des séries de conseillers électoraux. En bayon arrêté qui va le sortir, qui va le bail résultat élection dans le pays. Je ne sais pas quoi citoyen est d'accord. Je ne sais pas quoi moun dans le pays qui est d'accord. Personne n'est d'accord. Et à la minute que nous faisons changement de leadership, que pays a demandé dans tête CPTA, à la minute que vous coupez tête Gary Kony et consort et allié lui, mais me penser faut trois braquets yo deyo dans conseil là jusqu'à ce que pour population lui-même pour faire ça que lui-même il doit faire en dans pays pour d'autres pays de l'état pas là parce que c'est ça que tout pays a demandé. Benel, qui est un responsable Alliance PEP, qui t'a exprimé sous le dossier scandale corruption, trois conseillers. Alors, pour dire Benel, trois conseillers, ça, c'est trois braquets.